Alléluia. Amen. L'Éternel est bon. Dieu nous a fait du bien. Il nous a fait par son amour et par sa bonté. Il nous a permis d'être ici dans ce lieu pour recevoir la parole de Dieu. Étant donné que la bonté de l'Éternel s'opère et se réalise dans notre vie, cela prouve que notre Dieu, cela démontre que ton Dieu est vivant. Alléluia. Nazolo bela nzamba mutu moko oyo nzambe ne azana bomoi. Naibite soka azana katia. Quelqu'un dont son Dieu est vivant. Quelqu'un dont son Dieu opère des miracles. Quelqu'un dont son Dieu est merveilleux. Alors aujourd'hui notre thème s'intitule Avec Dieu, c'est possible. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Avec Dieu, c'est possible. Pourquoi avec Dieu c'est possible? Quelqu'un peut te promettre, faire des promesses, et après il peut changer ou être dans les capacités de réaliser ce qu'il t'a dit. Et il s'est arrivé aux gens, même moi je lui fais une promesse, je dis que je vais te donner 100 euros, mais arrivé le samedi, je lui ai promis le samedi, mais le samedi je n'ai pas eu les 100 euros à question. Malgré que je veux bien le faire, mais il y a des contre-états qui ont fait en sorte que je ne sois pas à mesure de le faire. Mais notre thème d'aujourd'hui, avec Dieu, c'est possible. C'est-à-dire, dans la vie, quand on évolue, quand on avance, il y a des fois où on peut rencontrer des obstacles, des barrières, des limitations qui nous empêchent de progresser ou d'accomplir ce que nous avons besoin. Mais aujourd'hui, Dieu veut te parler, Dieu veut te rassurer. Si en toi-même tu n'arrives pas à réussir, si un homme t'a fait la promesse, il ne parvient pas à réaliser cela. Si tu crois à quelqu'un qui peut te soutenir, il ne parvient pas à le faire. Mais Dieu te dit, si lui n'arrive pas, avec Dieu, c'est possible. Avec l'Éternel, cela peut être possible. Avec l'Éternel, il est capable de réaliser des choses que l'être humain ne pourra pas faire. Il est capable. La Bible me dit, ton Dieu, notre Dieu, appelle en existence ce qui n'existe pas. La Bible me dit, lors de la commencement, même si la vie est ta vie, et peut avoir des troubles, peut avoir de l'ombre, il n'y a pas la lumière. Mais lui, il a dit lors de la commencement, que la lumière soit. Et la Bible dit que la lumière est vie. Alléluia. Je dis à quelqu'un aussi dans ta vie, Dieu a une parole pour changer le cours de ta vie. Dieu a une parole pour amener les choses vivantes dans ta vie. Ce que des gens déclarent, ce que tu vois la limitation, Dieu est capable de tracer un nouvel chemin qui va t'amener pour toucher de grandes choses, pour toucher des choses nouvelles. Avec Dieu, c'est possible. C'était en un temps, nous allons lire dans Josué. L'histoire que nous allons lire, c'était en un temps, vous savez comme vous savez tous, c'est Dieu qui a appelé Moïse, qui lui a donné la responsabilité de conduire les enfants d'Israël. C'est-à-dire de libérer et d'amener les enfants d'Israël dans une terre qui a été promise par Dieu. Et pour des gens qui aiment la parole de Dieu, vous allez se rendre compte à un moment donné, Moïse a commis une faute face à l'Éternel. Dieu a dit à Moïse, tu ne rentreras plus dans cette ville que j'ai promis. Et vous allez se rendre compte dans cette histoire, Dieu n'aime pas des incrédules. Qu'est-ce qu'un incrédule? Un incrédule, lorsque Dieu te dit cela est possible, avec Dieu c'est possible, lui dit ça ne peut pas se faire, ça ne peut pas se réaliser, je ne peux pas entrer là-bas, je ne peux pas être élevé, je ne peux pas croître, je ne peux pas être dans la liberté. Dieu n'accepte pas des incrédules. Première chose, avant les fautes commises par Moïse, Dieu a déjà pris une résolution, c'est-à-dire de ne plus laisser toutes des incrédules d'entrer dans cette ville qui était promise aux enfants d'Israël. Alléluia. Il a déclaré que personne d'un incrédule ne peut plus entrer. Et maintenant, dans Josué, quand Dieu a empêché Moïse de continuer cette œuvre, il a donné la responsabilité à Josué. Vous savez,
À travers Moïse, Dieu a opéré beaucoup de choses. Maintenant, il y avait un nouveau responsable. Il y avait une nouvelle période. Est-ce qu'il pouvait faire encore comme Moïse? Mais l'avantage que Josué avait, Moïse avait délivré des personnes incrédules. La Bible dit, pour de toutes les chaînes, des personnes qui avaient plus de moins de 20 ans, moins de 20 ans, il y avait que Josué et Caleb qui ont pu accéder à cette promesse. Toutes les crédules étaient écartées pour entrer. Un jour, Dieu nous a appris ici, on a envoyé des gens pour aller voir Jéricho. Et les gens étaient partis dire, cette ville-là est habitée par des géants. Alléluia. Nous ne pouvons pas entrer là-bas. Ils ne voyaient pas Dieu, mais ils voyaient leur capacité. Comment pouvons-nous battre les géants? Cette ville-là est barricadée. Comment nous pouvons-nous accéder à cette ville? Dieu a dit une parole. Je vous donne cette terre. Mais des incrédules ont dit, cela ne peut pas être possible. C'est pour cela que je suis venu te parler aujourd'hui. Dieu m'a mandaté à te dire, si avec des autres, c'est pas, ça ne peut pas être possible. Si avec un patron, ça ne peut pas être possible. Avec un roi, ça peut être impossible. Mais avec Dieu, c'est possible. Amen. La loi peut te condamner. Les hommes peuvent te condamner. Les hommes peuvent mettre des limites. Regardez vers Dieu. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de limites. Avec Dieu, il n'y a pas de point qui peut t'empêcher à vivre ta bénédiction. Amen. Alléluia. Je sais que dans cette église, il n'y a pas d'incrédule. Parce que nous tous, nous sommes là. Parce que nous avons crié à un Dieu victorieux. Nous avons crié à un Dieu qui nous amène loin. Nous croyons avec Dieu, nous ne serons jamais. Nous croyons avec l'éternel, l'échec ne peut pas nous toucher. Nous croyons avec Dieu, peu importe les mirailles, des barrières, nous allons traverser. Josué chapitre 3, du verset 5 au 10e verset. Je lis la parole au nom du Seigneur. Josué dit au peuple, consacrez-vous car demain l'Éternel accomplira de merveilles au milieu de vous. Puis Josué dit aux prêtres, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je vais commencer à te rendre grand aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras à cet ordre aux prêtres qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord de l'eau du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux Israélites, approchez-vous et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Josué dit, voici comment vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens les Hittites, les Héviens, les Périsiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Chébisiens. Amen. 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 Verset 13, parce que nous allons lire une fois. Après 13. Dès que le prêtre qui porte l'arche de l'Éternel, les seigneurs de toute de la terre poseront la plante de pied dans l'eau du Jourdain. L'eau du Jourdain qui descend s'arrêtera comme s'il y avait une digue. Alléluia. J'aimerais expliquer un peu l'histoire que nous venons de lire. C'était après l'absence de Moïse. Personne n'a vu de grandes choses s'opérer dans la main de Josué. Mais Josué était dans le choix de Dieu. Dieu lui a dit, maintenant c'est le temps que je vais te lever au milieu des enfants d'Israël. Maintenant, d'Israélites verront
que réellement je suis avec toi. La ville était devant eux. Mais il y avait une première obstacle qui empêchait les enfants d'Israël de traverser pour aller vers Cana. La Bible dit qu'il y avait le Jourdain qui empêchait les enfants d'Israël d'arriver là où l'Éternel les a dit. Et Moïse n'était plus là. Mais Dieu a dit à Moïse. Et Dieu a dit à Josué, Moïse n'est plus là. Mais maintenant, moi je vais te lever. Je vais te lever parce que l'heure est venue de prouver que je suis avec toi. L'heure est venue de démontrer que je t'ai choisi. Comme je t'ai choisi. Voici ce que tu dois faire. Prenez, appelez, dis aux enfants d'Israël de se réunir et de souverains sacrificateurs d'être ensemble et d'aller vers le Jourdain. Le Jourdain, c'était l'obstacle qui empêchait les enfants d'Israël d'avancer. Mais quelque chose va se faire pour prouver, comme je viens de te dire, que je vais t'élever. Je veux prouver que je suis avec toi. Alléluia. Et la Bible m'apprend, Josué appela des enfants d'Israël pour leur dire, préparez-vous. Maintenant l'Éternel veut prouver qu'il est Dieu. Car nous allons traverser cette rivière. Nous allons traverser cette fleuve qui nous empêche d'avancer. Et si, pour des gens qui aiment la parole de Dieu, vous allez se rendre compte que Josué a préparé des Lévites, des souverains sacrificataires. Ils ont pris l'arche de l'alliance pour aller préparer. Et Dieu a dit, lorsque vous serez là, l'eau va être figée. Il y aura comme une barrière. Et vous, vous allez traverser. Alléluia. Avec Dieu, c'est possible. C'est-à-dire, Israël voyait l'endroit qui devait être, l'endroit qui devait vivre. Il y a certaines choses dans la vie, on voit ce qu'on veut. On dit que je vais être ainsi. Tu regardes une autre personne qui vise la vie que tu as besoin. Mais tu as une barrière qui t'empêche d'arriver là-bas. Pour arriver là-bas, il faut avoir un travail. Pour arriver là-bas, il faut avoir un mari. Pour arriver là-bas, il faut avoir le papier. Mais étant donné que tu n'as pas ça, il y a une barrière qui t'empêche d'arriver jusque-là. Peuple de Dieu, à ce temps-là, Moïse n'était pas là et Josué était placé devant Israël, des enfants d'Israël. Mais Dieu a promis à Josué, maintenant c'est le temps d'élévation. Je veux prouver que je suis Dieu, que je suis réellement avec toi. Si les gens ne croient pas en toi, si les gens ne croient pas à ton Dieu, les gens verront réellement que je suis avec toi. Amen. Peuple de Dieu, vous savez, il y a des fois dans la foi, tu peux exprimer certaines choses, personne ne te respecte. Même si c'est Dieu qui t'a placé, personne ne prend vraiment compte de ce que tu es. Même si nous sommes une église forte, personne ne tient compte de ce que tu es. Mais Dieu a dit, étant donné que chez moi, rien n'est impossible, il y a un obstacle devant toi, mais à travers cet obstacle, je vais aussi prouver que je suis un Dieu qui ne choue jamais. Tu as un obstacle dans ta vie qui t'empêche d'évoluer. Tu vois quelque chose, chaque fois que tu fais des choses, chaque fois quand tu évolues, il y a une barrière qui est devant toi. Laisse-moi te dire, Jésus n'est pas là, mais je crois qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. À travers sa parole, je sais quelque chose de nouveau, l'obstacle qui est devant toi doit s'écouler. Vous savez, lorsqu'on parle de l'eau, il y a des obstacles qu'on peut facilement traverser. On peut échapper. L'eau est tellement difficile à contrôler. Si l'eau est puissante, même si tu fais certaines barrières,
ça va toujours chercher un endroit à dévier. Or, avec Moïse, Dieu a séparé les mers rouges. Maintenant, c'est le temps de Josué. Est-ce que la mer rouge doit, le Jourdain doit se séparer? C'était une grande question. Il voyait la ville était là. Dieu nous a dit, nous allons vivre là-bas. Nous allons être là-bas. Nous allons prospérer là-bas. C'est un pays où le lait et le miel. Mais le problème, nous avons duré 40 ans. Mais dans l'histoire, on dirait, même nos parents, nos pipis voient cette ville. Mais nous voyons cela. Mais nous ne pouvons pas avancer. Parce qu'il y a un obstacle. Quand je dis avec Dieu, c'est possible. C'est-à-dire, ton Dieu, notre Dieu, rend l'impossible impossible. Amen. Des calculs des hommes peuvent dire c'est la fin. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsqu'on te dit c'est la fin, lorsque tu sens dans ton cœur, tu dis que maintenant je vais échouer, je ne réussirai pas. Dis un mot, avec mon Dieu, l'impossible n'existe pas. J'avance pas seul, je suis avec mon Dieu. Si j'ai subi l'humiliation, Dieu va se lever pour moi, pour dire qu'avec toi, je veux prouver que je suis un Dieu véritable. Amen. Il y a une façon de croire en Dieu. Quelqu'un peut croire en Dieu à travers l'évangile. Des autres aussi croiront en Dieu, le fait des miracles que Dieu a opéré dans ta vie. Ça sera aussi la silence pour dire que son Dieu est véritable. Pour prouver, parce qu'il y a des choses, même si tu pries, même si tu lis la Bible, même si tu prêches la parole de Dieu, personne ne te considère. Personne, même si tu dis, chez nous ça va, personne ne te considère. Il y a des choses qui vont t'accompagner pour prouver que réellement ton Dieu est véritable. Je parle à quelqu'un qui a réussi un Dieu véritable. Je parle à quelqu'un ce soir dont ce Dieu, aucune limite ne peut se résister devant lui. Peuple de Dieu, lorsqu'ils ont respiré, comprenez une chose. Quand Dieu place quelqu'un devant vous, lorsqu'on donne l'instruction, vous êtes appelé à obéir. C'est pour cela que la Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Des gens n'ont pas vu de grandes choses à travers lui. Mais il a rassemblé tous les enfants d'Israël. Il dit, Dieu m'a parlé. Dieu m'a mandaté. Nous allons traverser le Jourdain. La Bible dit, quand la Bible dit, il y avait des lévites, il y avait des souverains sacrificateurs. Ce sont des gens que Dieu a placés. Maintenant, c'était là le temps d'obéissance. Si tu obéis, tu vivras ton miracle. Pour Dieu, il est possible de faire cela. Mais si toi tu ne crois pas, tu ne verras rien dans ta vie. Il nous a dit, demain matin, rassemblez-vous, car nous allons traverser. Parce que la consigne de l'Éternel est déjà tombée. Je dis aussi à la vie de quelqu'un, la consigne de l'Éternel fera traverser là où les autres ne peuvent pas traverser. La consigne de l'Éternel ouvrira une nouvelle chemin que d'autres personnes ne verront pas. La consigne de l'Éternel te fera de toi une grande personne. Des gens vont te regarder de loin, poser la question si c'est toi ou c'est pas lui. Des gens vont dire, est-ce que c'est vérité? Je vois clair ou pas? Des autres vont chercher des lunettes pour bien te regarder. Parce que la grâce de Dieu est déjà tombée. Je dis pour Dieu, l'impossible n'est pas là. Avec Dieu, rien n'est impossible à lui. Il opère au-delà des pensées des autres. Lorsque des gens disent, tu t'arrêtes là, lui va mettre une nouvelle chemin, le chemin de la gloire, qui marchera différemment. On dit, on croyait c'est l'échec, on croyait qu'il va échouer, il va finir là, mais de nouvelles choses commencent. Si avec moi, ça ne peut pas être possible. Mais il te dit, avec Dieu, c'est toujours possible. Josué a compris. J'ai reçu l'instruction à Dieu. Je dois transmettre ça aux Israélites. La séparation de l'eau, Moïse avait un bâton. Moi, je n'ai pas un bâton. Mais il nous a dit de se préparer, de mettre des souverains sacrificateurs devant, après de mettre des lévites, après de placer tous les enfants d'Israël derrière. Nous allons seulement avancer. C'est l'instruction de Dieu. Et ce qui va se passer, si ça va être l'échec, mais je sais une chose, mon Dieu n'échoue jamais. Je suis venu dire à quelqu'un,
Si ton Dieu n'a jamais échoué, toi aussi tu n'échoueras jamais. Ceux qui t'appellent de derrière, ils vont se rendre compte un jour tu es plus loin devant eux et ils vont te regarder encore plus loin. Ils pensent que tu es derrière. Ils vont te regarder encore plus loin. Parce que Dieu est capable de faire évoluer ta vie la manière dont l'autre personne ne peut pas le faire. Dis-moi ton problème, je te dirai de quoi est-ce que ton Dieu est capable de faire. Dis-moi ce que tu appelles impossible, je te dirai combien Dieu est capable de faire. Des gens n'ont rien vu à travers Josué. Laisse-moi t'expliquer. Le ministère de Josué est la responsabilité que Moïse avait été différent. Je vais vous expliquer. Moïse, quand il y avait un problème, devant les magiciens de Pharaon, tu sors un serpent, lui aussi il sort un serpent. Dans le ministère de Moïse, des serpents de Moïse avalaient des serpents de sorciers. Mais dans le ministère de Josué, lui, il reçoit l'instruction. Tu respectes cette instruction-là, tu vois le résultat de la gloire et de la puissance de Dieu. Il ne s'est pas mis devant pour dire je vais frapper. Respectez seulement l'instruction. Et si vous revenez pour, même pour Jéricho, c'était que l'instruction. Or, lorsque nous parlons de Josué, Josué, il était un chef militaire. Au milieu des enfants d'Israël, il fit d'abord un responsable militaire. Si l'Israël est en combat, c'est Josué qui était aux premières lignes à l'époque où Moïse était le responsable. Mais lorsque Dieu lui a dit, Jéricho est là, il les a dit seulement de tourner. Continue à tourner. Nous, on tourne toujours. Mais le moment des cris viendra. Le moment des cris de joie viendra. Nous, on tourne toujours. Si je te fais voir cette différence, pourquoi? Si tu pratiques l'obéissance, tout sera possible pour ta vie. Quand Dieu te dit, il faut gêner, ne te lamente pas, n'abandonne pas, jusqu'à ce que tu verras les résultats. On ne fait pas de coups. Quand on te dit on doit prier, prie, cherche sa face jusqu'à ce que tu verras. C'était ça le mystère de Josué. Et les gens disaient, comment on va traverser? Mais les gens qui acceptent, qui sont obéissants, ils s'avancent sans poser des questions. Devant Dieu, quand Dieu te conduit, si tu sais avec l'Éternel, avec Dieu, c'est possible. Tu ne peux pas t'arrêter pour te poser des questions. On va se noyer. On va se limiter où? Comment on peut évoluer? Tu seras en confiance avec total avec Dieu. La Bible dit, lorsque eux aussi ils avançaient, l'eau aussi s'est retirée. Il y a eu aussi des barrières. Il y a eu aussi des limites. Certaines choses ne pouvaient plus. Alléluia. Et quand tu avances par obéissance, quelque chose s'opère dans votre vie. Donc tu ne fais pas l'effort. Tu obéis seulement. C'est là ce qui s'opère. C'est ce qu'on appelle un miracle. Parce que ce n'est pas toi qui opères, mais c'est l'Éternel qui opère à ta place. Toi, tu marcheras des pieds secs. Des gens qui cherchent que tu puisses couler, ils te verront toujours en train de flotter. Des gens qui cherchent ton échec, ils verront toujours que ton Dieu est en train d'opérer. Des gens qui veulent que tu meurs, ils te verront toujours dans la vie. C'est pour cela que je dis, avec Dieu, c'est possible. Quelqu'un peut te dire que toi, tu ne resteras pas. Dis-lui, avec mon Dieu que je crois, c'est possible. Je dis à quelqu'un que Dieu t'enlève dans la honte qu'il prouve qu'il t'a choisi. Que Dieu t'enlève dans la honte qu'il prouve que tu es le fils de la fille de Sarah. Que Dieu t'enlève dans la honte qu'il prouve que si tu es vraiment son servante. Qu'il prouve que tu es réellement son serviteur. Parce que la Bible dit, Dieu a dit à Josué, c'est maintenant que je vais t'élever. Ton élévation, les gens verront ton élévation à travers ce que Dieu va faire dans ta vie. Amen. Les gens vont dire, Nzambe Nazamakashi. Il prie un Dieu véritable. Non, son Dieu n'échoue jamais.
Jourdain s'est séparé. J'ai dit, une rivière doit se séparer devant toi. Une limitation doit se séparer devant toi. Une barrière doit être tombée au nom de Jésus-Christ. Parce qu'avec ton Dieu, tout est possible. Lisons la parole de Dieu. Marc, chapitre 9, verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible, et celui qui croit. Amen. Acclamez pour la parole de Dieu. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. C'est possible avec Dieu si tu crois. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Dieu est capable de faire au-delà. Mais si tu ne crois pas, tu ne vas pas être dans l'obéissance. Tout devient possible, pas à n'importe qui, seulement à celui qui croit. Nazone di makenzamba to tombola mutu moko. Nazone di makenzamba o changer isora mutu moko. Nazone di makenzamba o sala makama menene. Nazone di makeba to bazo kamwa yo. Nazone di makenzamba to tombola mutu. Nazone di makenzamba o tombola l'église yo. Tozaba to tozone di manzambe ya solo. Nazone di makozo suka wate. Nazone di makenzamba to tsama kambwa sika na nzela la yo. Parce que on di maye. Dieu sait comment possible la vie na yo. Je dis, ce qui n'était pas possible devient possible. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Parce que tu crois à un Dieu qui a vaincu la mort. Loi et cocayoté. Alléluia. Ton Dieu est merveilleux. J'ai beaucoup de choses dans mon ventre. Mais j'avais demandé 30, 15 minutes, mais j'ai dépassé. Que Dieu bénisse la parole de Dieu. Acclamez pour la gloire de Dieu.